Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce Looping Old Stuff numéro 15. Ce soir, ça va être un peu spécial, ça va être plus du blabla que d'autres choses. Je vais parler un petit peu de mon setup, comment que je t'ai installé, comment je fais pour tout brancher ça en même temps, comment que le MPC gère en temps réel avec Ableton Live. Toutes ces affaires-là, on va essayer de couvrir ça ce soir. Je ne suis pas super habitué de faire ça, mais donc... Je me lance, puis à la fin, si on a du temps, on va peut-être faire un petit peu de musique. Donc, petite présentation, moi c'est TU. Ça fait à peu près 20 ans que je fais de la musique. 15 ans avec Désuet Plein Gré, mon groupe de rap, avec Elmé. End of the Week, aussi depuis 8 ans. Aussi, j'ai sorti deux albums solo instrumentaux en 2016, EP Boulevard volume 1. Et en 2018, AP Boulevard, volume 2. Donc, je vais commencer un petit peu étape par étape. J'ai fait une petite liste. Je vais essayer de tout couvrir en une heure. Par contre, je fais des tests, puis peut-être que je n'aurai pas le temps. Donc, on va voir un peu comment que ça va. J'ai une petite caméra ici que je peux bouger. Je l'appelle la Broken Camera parce que le fil est assez ghetto. Donc, je vais essayer de checker le stream un petit peu, puis voir... puis juste voir si c'est à bug ou whatever, ou dites-moi là. Si vous avez des questions aussi pendant ce temps-là, pendant que j'explique des trucs, je vais essayer de garder un œil là-dessus, sur les commentaires, puis tout ça, puis pour les questions. Je vais essayer d'être assez exhaustif. Par contre, il y a beaucoup de stock à couvrir, donc je vais essayer d'être le plus explicatif possible. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça ne vous emmerderait pas trop. À la fin, on va faire un petit peu de musique, puis en même temps d'expliquer, on va faire des petits loops aussi pour... juste montrer toutes les couches qu'on peut mettre. Donc, bonne soirée. Fait que dans le fond, je vais commencer avec le MPC 2500, que j'appelle un peu le demi-brain, parce que dans le fond, il partage un peu le workflow avec Ableton Live, qu'on peut voir en arrière sur l'ordinateur. Je vais y revenir un petit peu plus tard, peut-être à la session d'Ableton Live, voir... expliquer un petit peu comment que je marche avec toutes les loopers et toutes ces affaires-là. Donc, c'est ça. Le MPC, c'est un peu le demi-brain, mais il est un petit peu plus... il prend un petit peu plus de place parce qu'il est comme master clock. Donc, le MPC ont plusieurs sorties MIDI, ce qui permet de syncer plusieurs appareils avec le MPC, avec les tempos du MPC aussi. Donc, moi, j'ai envoyé un fil MIDI dans ma carte de son. Fait que ça me permet de le syncer avec Ableton. Donc, aussitôt que je passe play sur le MPC, Ableton part exactement au même tempo que le MPC. Moi, en passant, il y en a qui vont dire qu'on ne voit pas ma face, mais dans le fond, c'est pas ça qui est important ce soir. C'est plus au niveau de l'équipement et tout ça. Fait que je vais essayer de faire des petits zooms avec ma petite GoPro. Donc, c'est ça. Fait que quand je pars le MPC, Ableton part. Donc, tout ce qui est sample et drums, est géré dans le MPC, mais est syncé aussi à tout ce qui est loop d'audio, que ça, habituellement, c'est géré plus dans Ableton. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est syncé avec Ableton. Après ça, j'utilise primairement pour looper des drums et des samples. Les MPC ont aussi plusieurs outputs. Donc, ça permet de router certains samples, certains groupes de samples à différentes sorties. Donc, moi, j'en utilise trois actuellement. La première, c'est pour mes drums. Et les deux autres, qui est la 5 et la 6e, c'est pour mes samples, tout ce qui est instrument. Comme tous ces samples-là, dans le fond. Ce qui me permet de les rentrer dans des inputs différents de ma carte de son et de les traiter différemment. Donc, les drums ne passent pas par le même channel que les samples. Ce qui permet de mettre des effets sur les samples. Sans affecter les drums. Ça permet de. Moi actuellement j'ai un filtre et un délai d'assigner sur mes samples. Donc je peux filtrer un petit peu. On peut mettre plus de nuances.
sans affecter les drums. Fait que, c'est comme ça que je fonctionne pour les outputs du MPC. Le MPC aussi me sert de mixeur aussi en même temps parce qu'il y a un input audio, donc le Realizer est plugé dans le MPC aussi. Ce qui fait que le Realizer est affecté par les, les mêmes effets que le MPC, les samples. Aussi, dans le fond, vous ne l'entendez pas, vous autres, quand que vous écoutez la musique que je fais en live, mais à chaque fois que je passe sur Play, il y avait une petite séquence. Okay. Mais moi, dans mes oreilles, aussitôt que je passe sur Play sur le MPC, j'entends ça. Ça, c'est mon clic. C'est ma référence pour à peu près tout ce qui est rythmique dans mes sessions. Donc, même au début de la toune, quand je fais play, j'ai toujours mon clic dans mes oreilles, ce qui me permet de soit partir un riff de piano ou de partir un drum super tête. Puis moi, je le garde dans le fond tout le long de la toune. Ça me permet d'arrêter les drums, aller aux keys, puis être encore super tête sur le tempo, sans avoir à me concentrer sur les autres instruments. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, le MPC, je m'en sers aussi. Je me sers du séquenceur qui est syncé au tempo. Qu'on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, comme actuellement, c'est 94 BPM. Donc, si je fais play, j'ai mon clic qui est parti dans mes oreilles. Là, j'ai juste apaisé overdub et play. Là, ça commence à enregistrer. Donc là, j'ai fait un 4 mesures. Après ça, lui, il continue. Il continue à louper. Il n'y a pas de time correction. Donc, ce que vous entendez, c'est réellement ce que j'ai joué. Donc, ça donne un petit feel un petit peu plus humain. C'est pas tight, mais en tout cas, c'est parfait pour la groove. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à bâtir mes drums. Puis après ça, on peut, comme sur l'MPC, tu as plusieurs tracks que tu peux aller. Donc, je peux comme aller sur la prochaine track et après ça, jouer des samples. Encore là, je peux les enlever. MPC, c'est à peu près ça. Je ne l'utilise pas pour produire réellement, je l'utilise vraiment juste pour comme tout manager mes tempos, tout manager mes loops, puis tout partir ça pour pas que j'aie besoin d'aller toucher l'ordinateur. Donc, c'est à peu près ça pour le MPC. Je pense que j'ai pas mal tout couvert. Comme j'ai peut-être pas expliqué dans le fond, je peux avoir différentes séquences aussi à différents tempos. Sur différents programmes. Les programmes, c'est des groupes de samples. Donc, là, j'avais un programme pour un track sur mon deuxième vinyle, mais j'ai plusieurs programmes avec différents drum loops, différents tempos, ce qui me permet d'aller jouer un petit peu plus dans le funk ou dans le jazz. Donc, pour le MPC, c'est à peu près ça. Ensuite, la deuxième pièce que j'utilise le plus, qu'on me voit souvent avec, c'est le Nord Electro ici. Ce Nord-là,
En fait, je l'utilise en MIDI, juste comme contrôleur MIDI. C'est un peu con à dire, mais la touche est excellente. Puis tout ce qui est bouton ici est assignable. Donc, je peux assigner ce que je veux dans Ableton. Donc, c'est pour ça que vous voyez tapoter les boutons des fois. C'est pour partir des loops, arrêter, enregistrer. Puis j'ai des contrôles d'effet aussi. je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est contrôle ici que j'ai sur mon électro. Ici, les premiers ici, c'est des 9 sons que je peux utiliser sur mon clavier. Dans le fond, j'ai juste à scroll tous les sons. Je peux peut-être vous faire une petite démonstration. Donc c'est tout mon choix de son que j'ai, j'en ai 9. Je pense que ça couvre pas mal le spectre des pianos électriques existants, puis il y a un orgue là-dedans. C'est ce que j'utilise. Tu peux switcher d'un son à l'autre assez rapidement. Donc c'est la façon que j'ai trouvé pour ça. Ensuite, on a un vibrato que je peux ajuster la vitesse et le dry wet. Après ça, j'ai mon output qui est dans le fond le volume de mes pianos. Ensuite, l'input, j'ai marqué tube, c'est parce que c'est comme un input d'un ampli à lampe. Donc ça donne une petite drive, ça overdrive les préamps. Ensuite, ici, c'est un délai analogique, un tape echo dans le fond, VST. J'ai le volume du délai, j'ai le temps. Ici en haut, j'ai le repeat rate qui me permet de l'allonger ou de le raccourcir. Ici en gros, c'est mes contrôles pour mon looper. C'est les 6 contrôles que j'utilise à peu près partout. Je vais vous expliquer un petit peu. J'en ai aussi sur la machine. J'en ai aussi sur le petit LPD ici. Donc, c'est toujours les mêmes boutons. C'est overdub, clear, rec, start, stop et undo. Ça me permet de tout faire, de recommencer, de clear, de stopper, arrêter, recommencer. Donc, c'est assez pratique. Puis, ici, c'est juste un transpose pour aller un octave plus bas. Donc, je disais, je l'utilisais en contrôleur MIDI. Mais qu'est-ce que je contrôle avec ce contrôleur? Oh, la petite caméra marche encore, c'est bon. Qu'est-ce que je contrôle avec ce contrôleur-là, dans le fond? C'est toutes des patches que j'ai faites dans Ableton. J'ai samplé mes pianos ici, à peu près tous mes pianos électriques que j'ai ici, je les ai samplés. Je les ai mis, samplés note par note, plusieurs degrés de vélocité. Je les ai mis dans Ableton, après ça, je les ai mis dans un instrument track. Donc, je peux scroller d'un son à l'autre les 9 sons. Je vais vous faire une petite présentation des neuf sons que j'ai ici. Je vais y aller avec un petit son dry au début. Donc, le premier son, c'est un Fender Rhodes 1973 qui se trouve à être au studio Mandragore. Je l'avais restauré un petit peu. Ça fait un petit bout. Il est assez dirt, il sonne très, très, très dirt. Mais avec. Moi, j'ai mis une petite drive automatiquement dedans. Donc, ça lui donne un petit. C'est quand que je veux un Rhodes un petit peu plus agressif. J'ai à peu près, je pense j'ai samplé 4 notes, 4 ou 5 notes par octave, ce qui donne, quand tu fais un accord, tu as toujours des samples différents. Mais en fait, ce note-là et ce note-là, c'est la même sample. Après ça, ça, c'est la même sample, tatatata, ainsi de suite. Puis comme degré de vélocité, j'ai été comme vraiment très dynamique. C'est pas juste du volume, c'est vraiment des samples différents que j'ai pris en pesant moins fort, un petit peu plus fort, un petit peu plus fort. Un petit peu plus fort. Donc, je vais faire un petit exemple ici.
Ensuite, lui est stéréo. Lui, c'est un Rhodes 1977-88. Il est juste en arrière de moi. Je vais vous le montrer tantôt. Celui-là, je l'ai samplé plus récemment. C'était le Rhodes 1977. Ensuite, on passe. Ça, c'est le Elepian. C'est le piano juste brun en arrière de moi. Je vais vous le présenter plus tard. Vous montrer un peu comment il fonctionne. Donc ça c'est le Elepian. Ensuite on a un son un peu spécial. C'est un Yamaha CP60M que j'ai dans le fond, je vais vous montrer plus tard aussi. Ça, c'est un piano à cordes avec des pick-up. Moi, j'ai juste samplé en prenant un pick de guitare puis en stringant à peu près 3-4 octaves. Dans la toune Inimitable, sur mon EP Boulevard volume 1, c'est ce son-là. Clavinet que je devrais resampler à un autre preset, mais il est toujours là.
très juste. Ensuite, on a un Redditor 200A. Ça, c'est juste en bas ici. Très, très feutré. Continental. Que j'ai samplé aussi. Ensuite, on a le Yamaha CP60, mais joué avec les keys. C'est pas un piano acoustique, en tout cas. C'est construit un peu comme un piano acoustique, mais ça. De plastique un petit peu. Ça, c'est la seule patch que j'ai pas samplé moi-même, qui est un piano droit. J'utilise après le même patch depuis une quinzaine d'années. Avant, c'était un sound font, mais j'ai tout refait dans le sampler d'Ableton Live. Donc, ça, c'était mes 9 sons que j'utilise à peu près en tout temps en show. Je peux me permettre de scroller, c'est assez rapide pour le choix des sons. Donc là, on pourrait peut-être repartir avec le petit drum loop qu'on avait tantôt, puis vous montrer un peu comment que je fonctionne avec les loops. Donc, juste pour expliquer, j'ai comme, je pense, 4 sections de looper ou 5 différentes dans mon set. Une qui est carrément dédiée au keyboard ici, une autre qui est assigné ici, mais qui est dédié à tout ce qui est synth. J'en ai une ici qui est assignée au Redditor et au sample. J'en ai un autre ici qui est assigné au micro. Je pourrais louper mon micro. J'en ai un autre ici, en arrière ici, qui est assigné à tout ce que j'ai comme keyboard ici, ici présent. C'est ça. Donc, je pense que ouais, c'est 5 sections de choses. Fait que dans le fond, je peux arrêter et repartir des loops sur 5 pistes différentes. Donc, ça donne beaucoup de possibilités pour des transitions ou des évolutions de track, que tu vas arrêter un élément, mais en laisser d'autres. Donc, ça donne beaucoup de liberté. Donc, j'avais pas mal... Non, je commençais à faire un petit loop. Fait que là, dans le fond, je vais peser sur REC. Ça va wrecker pendant 4 bars. Puis après ça, ça va continuer après ça à juste jouer le sample. Donc je pourrais jouer par-dessus. Jamais mon ordinateur.
tout ça est assez comme complet pour même pas avoir besoin de toucher la souris. Donc, c'était un peu ça pour le Nord. Il est très pratique. C'est pour ça que j'utilise un contrôleur MIDI, je pense. Ça m'évite d'avoir un autre contrôleur, exemple, comme une autre machine ou des trucs comme ça. Donc, je suis pas mal satisfait de l'utilisation que j'en fais. En plus, le keypad est vraiment excellent pour jammer. 61 touches, c'est un peu limite, mais écoute, ça fait amplement la job. Donc, c'était ça pour le Nord. Ensuite, on pourrait peut-être... je vais venir ici parce que c'est un autre, quand même un autre élément important. Je vais essayer d'enlever ma petite caméra. Donc, je vais vous parler un peu du Mini Brut, qui est un synthétiseur analogique. Quand même très cool. Le modèle est quand même assez vieux. Ça date de peut-être... je ne sais pas, sorti peut-être en 2012-2013. Mais il est vraiment bien fait, le layout, puis très pratique aussi. Je m'entête un peu à jouer avec un synthé analogique qui n'a pas de preset. Donc, à chaque fois que je change un contrôle, pour revenir à ma base, il faut tout que je refasse le tour des boutons. Mais moi, c'est un challenge que j'aime bien gros. tout ce qui est comme directement touché par des presets, juste comme vraiment savoir le son que tu as, juste en checkant les knobs. Donc... ça, c'est le son basic de base que j'utilise. Qui est juste un ça. Très, très filtré. Le filtre de cette synthé est vraiment incroyable. Vraiment très cool. Il fuzz. Là. Je vais vous faire entendre plus avec un arpégiateur de tantôt. Mais c'est ça. En plus, cette synthé-là a un input audio. Moi, je rentre deux trucs dedans. Je rentre le SH-1000 et je rentre aussi le Poly-6. Pourquoi je fais ça? Ça me permet de merger trois signaux en un pour avoir juste un signal qui rentre dans ma carte de son. Et ça me permet aussi de passer les deux synths dans le filtre du Mini Brut. J'adore ce filtre-là. En plus, on peut moduler un petit peu le filtre aussi. Ça peut rajouter des petits effets cool. Dans le fond, il y a une procédure à faire pour pouvoir entendre ces deux keyboards-là parce que à cause du gate, il faut toujours qu'il soit ouvert. Donc, pour l'instant, j'ai mon son de base classique. Si je veux accéder au ce synthé-là, il faut que je monte le fader ici, extérieur in. Je ferme l'oscillateur. Je grimpe l'enveloppe pour que le signal close jamais, qu'il n'y ait jamais de release. Ici, il y a un petit switch pour mettre le gate toujours open. Bang! Ensuite, on devrait pouvoir entendre nos amis ici. Et sur la Mini Brut, j'ai pas grands effets, mais j'ai un délai qui permet de. Quand que des petits solos space. Ceux qui ne connaissent pas ce petit synthétiseur-là, c'est un Roland SH-1000, qui est le premier synthétiseur japonais. C'est un 1973. Moi, j'ai modifié un peu les petites tablettes en avant parce que j'en avais des brisées. J'ai 3D print des remplacements. Mais ce synthé-là, il est vraiment cool. Tu as tous les contrôles basiques. Tu as vraiment comme un bon choix de modulation. Tu as un ADSR, tu as un filtre résonant, tu as un noise, portamento, tu as un vibrato, tremolo. Espèce de trémolo avec le filtre un peu qui appelle le crowd. T'as un wow qui est une espèce d'attaque un peu comme wow, un peu plus smooth. Ça marche avec le filtre. Puis tu peux ajuster, tu peux mettre assigner le filtre à la DSR aussi, qui permet de faire des petits sons percussifs quand même très cool. À part de ça, c'est super basic. Tu peux stacker une couple de waveform. Puis ici, on peut, y a des presets un peu cheesy. Mais le piano est vraiment cool. Et le tuba aussi. Je vais vous faire entendre le fameux tuba. Très, très cool. Puis, y a aussi le piano. Thank you.
super cool. Puis pour des lives, c'est parfait. C'est comme super simple. Des petits presets, puis toutes ces affaires-là. Ensuite, il y a le Polysix. Je vais approcher un petit peu la cam. Le Polysix, qui est un synthé analogique 6 voix. Donc, tu peux jouer 6 notes en même temps. Il a l'air un petit peu fort. Plus pour faire... faire un peu de padding. Il est très cool. Puis, moi, je l'utilise en... en conjonction avec ça ici, un petit électro-harmonix Mel 9 qui donne des petits sons de mellotron, quand même très cool. Ça track le pitch, puis ça me donne des petits sons de mellotron. Donc j'ai un patch assez carré de synthé, très basic, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Enlever le vibrato. On attaque un petit peu plus smooth. Avec un petit release. Là, on va embarquer le son de Mellotron. On va commencer par les strings de l'orchestre. Il est quand même très très cool. C'est sûr que quand tu le filtres un petit peu, c'est un petit peu mieux. Ben, je vais essayer de faire. Je vais lâcher le micro. Je vais faire une petite démonstration de 5 sons, 4 ou 5 sons sur la Mel 9 qui va être l'orchestra, les strings, le violoncelle, la flûte, puis deux types de corps. Donc, je vais vous démontrer ça. Les 5 presets que j'utilise le plus. Puis ce qui est cool, c'est qu'on peut mixer aussi le son du synthé.
ça, on peut se faire des petits orchestres de poche. Mettons, si je repars mon clic, je vais arrêter le drum. Fait que dans le fond, vu que lui, il passe dans le mini brut, ici, j'ai tous mes contrôles pour looper, qui sont exactement les mêmes que j'avais sur le Nord. Donc, on va y aller avec un petit rec. C'est quand même une petite pédale quand même assez puissante pour, en tout cas, pour le prix. C'est un très bon rapport qualité-prix parce que les sons de Mellotron sont chers. Donc, on va descendre plus bas. On va procéder. Ici, Realizer 200A, piano électrique. Lui, c'est un modèle, je pense, un 119 qui est à peu près les 3-4 dernières années de production qui ont fait ça. Je pense que le modèle est sorti en 68 ou 69. Ils ont fait une bonne run avec ça. C'est un piano quand même cool, pratique, portable, pas super. Le ton n'est pas super riche. Puis l'électronique a tendance à être vraiment, vraiment, vraiment cheap. Donc le mien, petite anecdote, comment que je l'ai trouvé. En fait, c'est mon père qui était dans un encan à guitare de succession. Dans le fond, le gars, il avait une couple de guitares, puis mon père était comme intéressé à en acheter. Donc, il était là. Puis, il y avait un petit Realizer qui était tout seul dans son coin à vendre aussi. Mon père a fait une offre de 50$. Personne qui a renchéri. Donc, je l'ai eu à 50$. Par contre, l'électronique était comme quand même un scrap. Il ne marchait pas vraiment. Il était super dangereux. Donc, j'ai mis à peu près 350$ pour tout offrir faire l'électronique par mon bon ami Johnny Hildegger. Il a tout study la chose, puis il a tout mis des components vraiment plus, vraiment meilleur spec que les originaux. Ce qui fait qu'il est super, super, super low noise. Je vais vous faire ceux qui connaissent ça, ils vont comprendre ça. Je vais faire un petit. Je vais juste craquer un petit peu le gain ici. Là. Ça va distorsionner parce que dans le fond, il va comme faire saturer le préamp, mais le bruit de fond. Il n'y en a juste pas. En plus, il y a un polystick tout ouvert par-dessus. Ça fait des interférences à côté. Donc, c'est vraiment un really de studio.
Je conseille vraiment de ceux qui en ont, qui trouvent qu'il y a beaucoup de hiss, à place de passer ça dans des EQ, faites faire l'électronique dessus, ça vaut vraiment la peine. Donc, un petit realizer, quand même cool. Besoin un peu d'attention, deux notes désaccordées, des reeds qui vont bientôt péter. Ça fait que je peux juste jouer en mi dessus. Fait que toutes les tunes que vous me voyez jouer dessus pour l'instant, c'est juste en mi que je peux jouer. Mais ils sonnent quand même bien. À 50$, je pourrais peut-être aller vers en arrière un petit peu, juste pour vous montrer un petit peu ces pianos-là. Vous les voyez souvent, le clavinet D6 et le Elepian, qui sont deux pianos électriques de construction assez différentes, mais surtout le Elepian qui est assez rare. C'est des pianos super intéressants que tu peux jouer de plein de façons. Vu que c'est des pianos mécaniques, c'est vraiment comme, c'est physique, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. Donc, je pourrais peut-être montrer un peu les pianos. Écoute. Ça sonne super bien. Ça aussi, c'est un piano mécanique, c'est physique. Je pourrais vous montrer un petit peu l'intérieur. J'ai jamais fait ça. Les photos sont assez rares sur Internet. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Espérez. Donc, c'est tous des petits marteaux. Ce marteau-là, il frappe sur des petites tiges de métal qu'on appelle des reeds. Et en haut, ce qui est orangé un petit peu, c'est des bobines, des pick-up, comme sur des guitares. C'est des single coil, tout enroulé dans le fond pour avoir la bonne force. Puis il y a mille façons d'ajuster ça, la distance, la teinte, de la reeds au pick-up, l'azimut aussi. Celui-là, je l'ai ajusté assez agressif, mais c'est vraiment nice. Là. Ça permet d'avoir beaucoup de nuances. Tu peux être smooth comme un Rhodes ou très harsh à la Realizer un petit peu. Donc, ce piano-là, il n'est pas très usuel. J'en connais pas beaucoup de monde qui en ont. Le seul que je connais, dans le fond, j'ai été l'ajuster aussi, vu que j'avais déjà une expertise sur lui. J'ai fait, je pense, 3 fois. Mais ça fait peut-être 3 ans que j'ai fait les ajustements à date, puis ça tient. Il est assez juste. Ça, c'est le Elepian, qui est un piano super cool. Ensuite, on a le clavinet, avec son petit son un peu plus... mais ça, c'est une machine à noise. C'est incroyable, ça capte toutes les interférences possibles. Même si je mets mon téléphone ici, il va sûrement en capter. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est un peu plus comme c'est un piano électrique, mais c'est plus fait comme un clavecin un petit peu. Ça, c'est des cordes. Donc, je peux toucher aux cordes. On l'entend, fait qu'il y a des petits effets à faire, mais en fait, c'est comme vraiment comme un clavecin. Puis là-dedans, dans le fond, tu as deux pick-up. Il y en a un qui est ici, la barre blanche et jaune.
Il y en a un autre qui est en dessous aussi. Ça agit comme un bridge puis un neck, comme pour les guitares. Fait que je vais vous faire différents settings de pick-up. Tu as aussi des switches de filter qui permettent d'avoir différents tones. Puis en fait, c'est super simple. Tu as le petit préamp qui est en dessous. Ça peut marcher sur une 9 volts ou sur un power supply. Puis ici, c'est un case pour les petites pattes que j'ai pas. Il y a aussi un fader ici qui est un damper. Si je vais le pousser, si vous regardez, il va y avoir une pièce qui va venir se déposer sur les cordes. C'est super mécanique. Donc, on va commencer avec le premier preset. Je vais vous faire toute la série des presets. Après ça, on va le passer dans des effets. Je vais vous montrer l'outil effet que j'utilise. Mes contrôles pour looper sont ici. Le même affaire que sur les autres. Donc je peux looper ça. Si je peux venir. Ça, c'est exactement le même principe. Puis ces deux pianos-là, ils passent dans un multi-effet ici. J'utilise un peu par défaut parce que je me suis ramassé avec, mais il est vraiment cool parce que tu as des knobs pour pouvoir contrôler les effets. Fait que c'est pas juste des menus. Donc, tu as plusieurs types de délais, de la modulation, overdrive, distorsion. Je vais vous faire une petite présentation de ça. C'est cool. Il y a aussi un reverb. Puis avec le clavinet, c'est quand même... Qu'est-ce qui est nice, c'est que... Mettons si on met un peu de damper aussi, ce qui fait que... Les notes sont vraiment courtes. Ça ressemble un petit peu à un koto. Fait que dans le fond, on peut comme aller jouer un petit peu comme en pizzicato. Puis ça sonne quand même nice, je vais vous montrer. Thank you.
Fait que c'est très cool pour faire des petits paddings ou des trucs comme ça. Vous allez me voir souvent en faire. Donc, ça, c'est pour le clavinel et les pians. Branchez là-dedans. Puis après ça, il passe par un petit mixeur électro-harmonix. Puis après ça, ça passe dans ma carte de son. Donc, les deux keyboards prennent juste un input. Ces trois-là en prennent juste un. Lui et lui en prennent un. Lui, il n'y a pas d'input vu que c'est du MIDI. Puis même, il me reste une place pour un micro ici. Je pourrais louper avec le micro. Donc, aussi à noter que le micro que j'utilise, c'est aussi l'input que j'utilise aussi pour avec Hugo. Donc, j'ai les effets. Puis après ça, j'ai le Beat Crusher. C'est quand même cool. Après ça, là, il reste 7 minutes. Donc, je vais arrêter le clic. On n'aura pas vraiment le temps de voir la musique. Je vais essayer de vous présenter un petit peu le Rhodes, le CP60, ce qui est un peu en arrière. On va essayer d'aller jusque là-bas. Mais elle marche encore. C'est excellent. Donc, là, vous pouvez voir ici, c'est comme un peu le setup quand que j'ai des invités. Le drum est là-bas. Le drum est là-bas. Le CP60 est là. Habituellement, il y a l'Elépian qui est ici, mais dans le fond, c'est un peu le bordel ici. Le YC45 qui est là. Et ici, on a le fameux Roland VK9. Vraiment, ça, c'est toute une trouvaille. C'est vraiment, vraiment extrêmement rare. Quand je l'ai acheté, il était brisé en plus. J'ai réussi à le réparer vraiment le queue. Puis là, il est full fonctionnel. Puis c'est comme avoir un B3. Vraiment, vraiment, vraiment nice. Puis lui, c'est un 77, je pense. Bon, ok, on va aller essayer de. Je vais essayer de pas trop de m'emmêler dans mes fils. On va aller voir les pianos en arrière. Donc, vous voyez comment c'est le bordel ici. Ici, on a le Rhodes, un 88. Je vais peut-être. Faut que j'aille monter le volume, ça sera pas bien. Là, ici, on a le Rhodes, qui est un piano à peu près dans le même principe que les pianos, le Redditor, toutes ces affaires-là, sauf avec une manière de fonctionner qui fait que, à la place d'avoir juste une petite languette de métal, c'est une tige. Puis en au-dessus, tu as comme une tone bar aussi qui permet qui aide à la vibration, qui fait qu'il y a un sustain quand même assez long. On a le Rhodes. Je l'ai tout ajusté selon mes préférences. Puis c'est le deuxième que vous avez entendu au niveau du Nord, c'est lui que j'ai samplé. Ça, c'est un piano très très cool. C'est mon piano fétiche depuis de nombreuses années. J'adore le Rhodes. Ok. Fait que lui est vraiment en bon état. Un peu poussiéreux, mais ça sonne vraiment bien, bien droit, tout le kit. Ici, on a un pianeté, qui est un autre piano électromécanique. Mais qui est comme très simple au niveau de la construction. Personnellement, c'est loin d'être mon favori, mais bon, c'est un petit piano qui est quand même très portable, qui est à peu près la grandeur d'un étui de guitare, donc quand même très cool. Ici, on a le Minibud 2, vous avez pu l'entendre il y a à peu près... peut-être deux semaines, trois semaines. J'avais fait un intro avec. Ici, on a le petit réalistique MG1 qui en fait un Moog Rogue un peu boosté. Il sonne très gras. Deux oscillateurs indépendants. Aussi une petite section polyphonique qui est très
la section polyphonique, tu peux venir la moduler dans le filtre. C'est vraiment... Vraiment très puissant comme synthé. Vraiment très cool. J'ai eu la chance de l'avoir, de payer pas trop cher, hein, je pense en 2017. C'est ça, je pense que c'était 250$, mais en tout cas, vraiment un bon petit synth. Le Rode, ça fait depuis 2011, je pense que je l'ai. 2011 ou 2012. Je l'ai tradé contre un 73 que j'avais eu pour 200$ à Drummondville. Très bon trade parce que lui est vraiment en meilleure shape que l'autre. Ici, on a un petit RS-101 que j'utilise peu parce qu'il est un petit peu fucké, mais il est très cool, je l'ai modifié un petit peu. Très bon string machine, super intéressant, super très très vintage, c'est très typé 70. Ici, on a le CP-60, qui est un piano à cordes, comme vous pouvez voir. Cool piano pour expérimenter. Tu peux jouer les cordes avec un pic de guitare, tu peux mettre de la distorsion, du phaser, c'est super, super, super cool. Donc, ça a fait un petit peu le tour. Le drum, en fait, ça, je l'explique un petit peu le drum. Le drum, il n'y a pas grand-chose. Il y a trois mics. Un mic sur le bass drum, un mic vocal, un Kell KM1, je pense, pour le snare et qui prend le hi-hat, tom et toutes les cymbales. Puis j'ai un autre petit mic de snare qui est en dessous du snare pour avoir un peu d'attaque de kick puis de chaîne sur le snare. Pour moi, ça fait la job, ça fait des gros breakbeats. J'ai pas besoin vraiment de stéréophonie pour le drum, donc pour moi, ça fait vraiment bien la job. Puis pour les lives aussi, c'est assez simple, ça prend juste 3 inputs audio au final pour tout rentrer le drum. Donc ça fait un peu l'overall, je vais essayer d'être le plus précis possible. J'en ai sûrement oublié, ça c'est sûr. Mais écoute, c'est comme ça, il n'y avait à peu près rien de préparé. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. On va vous remettre une petite tonne d'ambiance sur le Reel to Reel. Puis après ça, on va vous dire au revoir. Merci d'avoir été là. J'espère que ça a été assez informatif. J'ai pas pu checker les questions, whatever, mais en tout cas, j'essaie d'être le plus précis possible. Mais ça reste que c'est quand même compliqué. Mais là, ce que je trouve nice dans ce setup-là, j'en ai essayé beaucoup de setups, sérieusement, c'est que j'ai pas besoin de toucher à l'ordi jamais. Donc l'ordi pourrait être en dessous du bureau, fermé à la limite, comme closé. Je pourrais faire comme 3 heures de set juste avec le matériel que j'ai ici sans avoir à toucher à l'ordi. Donc je pense que c'est un gros plus pour ça. Ça amène beaucoup de meilleure spontanéité quand tu jams. Tu peux comme décider d'allonger la tune à 8 minutes ou à 15 minutes. Donc je trouve que c'est le meilleur des deux mondes, autant du niveau du MPC que du Ableton Live. Donc merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on va avoir des boys de drum, ben, que j'ai connus à Drummondville. On va jammer ici, très très funky, donc soyez là.